Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo achat par rapport au Black Friday, donc je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. C'est tout ce qui est livres, ouvrages sur les jeux vidéo de manière générale. Donc ça vient principalement de deux sites, Pixel Love et Sœur d'édition, qui ont fait des très très bonnes promos à moins 50 pour une grosse sélection quand même d'ouvrages. Voilà, super content, c'est en général des ouvrages qui me tentaient pas mal et qui va me permettre d'en apprendre un petit peu plus sur leur univers. On va commencer tout de suite avec Pixel Love. Donc ils avaient sorti déjà il y a un petit moment, je crois que c'était en 2019 ou 2020, l'histoire de Rare, donc qui est vraiment tout le palmarès, on va dire, et toute la création de l'éditeur Rare. Donc là c'est le volume 1 entre 82 et 96. Ouais, qui va reprendre un peu tout ce qu'ils ont fait, le début de leur création et tout ça. Donc pour la majorité des livres, hein, c'est vraiment des ouvrages hyper détaillés où on en apprend beaucoup dessus, il n'y a pas beaucoup d'images, c'est très peu illustré du moins. C'est vraiment que de la doc, si on peut dire. Donc à la base c'était 25€ et donc moins 50. Donc voilà, 12,50, c'est à peu près tout ce prix là. Donc voilà. En tout cas, super joli. Moi, Rare, c'est quand même un éditeur que j'aime beaucoup parce qu'ils ont fait beaucoup de jeux sur la 64, dont mes premiers amours. Donc voilà, la 64, pour rappel, c'est quand même ma première console. Donc franchement, très content, j'en apprendrai beaucoup plus sur l'éditeur. Ensuite, bah, évidemment, il y avait aussi le volume 2, donc qui reprend de 97 à 2007. Donc là, c'est un peu plus toute leur période où ils étaient au sommet, j'ai envie de dire. Jusqu'à 2007 et tout ça, c'est je pense vers la fin des studios, on va dire, où ils ont commencé à faire moins de livres, enfin moins de jeux et tout ça. Donc voilà, très sympa, franchement c'est de la bonne cam quand même, c'est souple niveau format, mais franchement ça rend vraiment bien. Voilà, comme ça. Donc vraiment sympa, j'ai vraiment envie de lire ça. Je vous en dirai peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo. Ensuite, ça aussi, c'est un truc que je voulais vraiment. Ça, c'est plus un espèce d'artbook. Donc, c'est en fait les documents de conception originaux de Crash Bandicoot. Donc, avec tous les dessins de base. Donc, voilà, ça, c'est un peu plus un artbook, on va dire. Donc, comment ça s'est créé, les premiers dessins et tout ça. Donc, ça aussi, super bien. Donc là, c'est fait évidemment aussi par Pixel Love en collab avec Dark House Book. Donc voilà, super sympa aussi. Donc celui-là, c'était un peu plus... Ouais, c'était 25€ de base, donc 12,50. Super content, moi j'adore Crash, donc on permettra d'en apprendre beaucoup plus encore sur le personnage. Toujours chez Pixel Love, toujours. Ils font aussi des éditions limitées, on va dire, sur les bouquins, avec en général un petit fourreau et une couverture alternative. Donc celui-là, c'était l'occasion, parce qu'il était au même prix que l'édition classique, donc je l'ai pris. C'est l'histoire de God of War, donc très sympa, vous voyez, avec le petit fourreau. Donc c'est juste un fourreau au-dessus, je sais pas si vous allez voir, c'est un fourreau au-dessus avec cette reliure vraiment sympa. Donc la Spartan Edition, vraiment cool. Donc un peu toute l'histoire de God of War, donc ça aussi ça me permettra d'en apprendre beaucoup plus sur l'univers. Faut savoir que moi, God of War, j'ai fait le 3, donc quand il était sorti sur PS3. Et après bah, ça s'arrête un peu là, j'ai un peu touché une compile qui avait du 1 et du 2 sur PS3 et puis bah, voilà, j'ai pas du tout fini, donc ça me permettra aussi d'en apprendre beaucoup plus sur le personnage, sur Kratos et sur l'univers. J'ai pas encore fait le reboot de PS4, donc voilà. Très sympa, c'était aussi le même prix celui-là, voilà. Et le dernier chez Pixel Love. Donc c'est aussi d'une héroïne que j'aime beaucoup, à savoir que ça s'arrête avant les reboots. Donc c'est l'histoire de Tomb Raider de 96 à 2008, l'Odyssée de Lara Croft. Donc aussi super joli, franchement, avec les dorures. Même prix, ça c'était 25€, donc 12,50. Hop, celui-là je vais vous l'ouvrir parce que j'avais déjà un peu checké. Vous voyez, c'est vraiment que de la docu. Il y a quelques petites photos un peu pour illustrer. Donc franchement aussi très sympa pour connaître un peu mieux les coulisses. Voilà, ça c'est le design classique de la PS1. On va super content aussi de l'avoir chopé.
Ensuite, on passe chez Sœur d'édition. Donc là aussi, je faisais des promos. J'ai pas non plus trop craqué. Là, j'ai acheté un en promo et un qui est une réédition. Donc ça, je vous le garde pour la fin. Donc ce qui était en promo, c'était Génération Pokémon, plus de 20 ans d'évolution. Donc là, en fait, ça retrace vraiment toute la saga Pokémon à partir des premiers jeux et de la création de la licence, des déboires qu'ils ont eu pour justement permettre la création de la licence. Il y en a plein qui croyaient pas au projet au début. Et donc voilà, ça reprend un peu tout ça. Donc pareil, le prix là, c'était 30 euros moins 50%, donc 15 euros. Très sympa en tout cas, franchement, il est super joli. Là, par contre, vous voyez, c'est du le format, donc c'est à peu près le même niveau taille, par contre c'est couverture cartonnée, c'est pas souple cela. Peut-être aussi pour ça qu'ils sont 5 euros plus chers, mais bon, franchement, super sympa aussi, je suis hyper content de pouvoir dévorer ça aussi. Et le dernier, donc ça c'est ce que je vous avais dit, donc c'est une réédition. Donc c'est un bouquin qui m'intéressait déjà depuis un petit moment, depuis que j'ai vu l'animé en fait, et malheureusement plus dispo. Et ils avaient prévu une réédition, mais il n'y avait pas de date. Et au final, bah là, je suis tombé dessus en même temps que le Black Friday. C'est le Berserk à l'encre des ténèbres. Donc moi, j'avais beaucoup aimé le manga, mais bon, comme je vous ai dit, j'en avais déjà parlé, je pense. On reste sur notre fin. Donc moi, c'est l'animé des années 90 qui était dispo sur Netflix. Donc je me suis tout tapé. Et ensuite, j'ai pas du tout continué. C'est que la saga Berserk, elle est vraiment très étendue. Il y a plein de choses. C'est pour ça aussi qu'on s'y perd un peu. Donc je me suis dit, il me faut vraiment un bouquin qui reprend tout pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, l'histoire de Guts et tout ça. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment le top. Ça reprend vraiment tout depuis le début. Donc ça sera vraiment l'occasion de bien me plonger dans l'univers, parce que j'aime beaucoup franchement. Mais malheureusement, j'ai pas assez de connaissances, donc avec ça, je vais rattraper mon retard. Ça aussi, c'était 25 euros. Donc voilà. Le format, vous voyez, c'est un... si je compare un sort d'édition à un Pixel 9, vous voyez, c'est même format, ça se joue peut-être à ouais, 1 mm. Allez. Donc voilà, c'est très sympa pour mettre sur les bibliothèques. Ça va vraiment très bien rendre. Donc voilà, ce qui conclut cette vidéo. Donc quand même, il y en a pour un peu de sous, hein, faut pas croire. Mais bon, les ouvrages, même à moins 50, c'est quand même tout de suite une quinzaine d'euros pièce. Donc voilà, faut pas non plus abuser. Donc il y a beaucoup d'heures de lecture en perspective. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que les bouquins sont toujours dispo sur les deux sites si vous les voulez. Par contre, pas de promo. Donc peut-être attendez les soldes parce qu'ils sont souvent en promo quand même. Donc voilà, à moins 50 en général, c'est un peu près pareil. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !